Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveur d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des cookies au chocolat et à la pistache. Comme d'habitude, je vous laisse regarder les ingrédients et la préparation. Je commence la préparation. Dans un récipient, je mets le chocolat que j'ai coupé en morceaux. Ensuite, je rajoute le beurre et je mets au micro-ondes à fondre. Entre-temps, dans un récipient, je mets le sucre de canne. Je rajoute les œufs. Ensuite, avec un fouet, je viens mélanger. Maintenant, je rajoute le chocolat fondu. Je mets la pistache en poudre. Ensuite, je mets une demi-cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Là, je viens mettre la farine. À la fin, donc, je rajoute les pistaches entières pour donner du croquant à nos cookies. Et maintenant, je ramasse la pâte. Donc, une fois terminé, j'ai préparé un plat où j'ai mis le papier cuisson. Là, donc, ma pâte elle est un peu collante, c'est pour ça que j'ai préparé un récipient avec un peu d'eau où je mouille mes doigts et mes mains pour éviter que la pâte ne coule pas trop à mes mains. Et là, je forme mes boules de pâte que je viens poser dans le plat à four. Et donc, je continue comme ça jusqu'à l'épuisement de la pâte. Terminé, donc, je viens écraser légèrement avec une cuillère à café. Ensuite, je dispose quelques pistaches sur la surface. J'enfourne dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés, environ 10 minutes. Voici nos cookies au chocolat à la pistache à leur sortie du four, sont croquants, moelleux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.